Chandrayaan 2, échec de l'atterrissage ou succès partiel? La mission spatiale Chandrayaan 2 de l'agence spatiale indienne ISRO a été le centre de nombreuses discussions après avoir suscité à la fois de l'espoir et de la déception. Lancée le 22 juillet 2019, cette sonde spatiale avait pour objectif de recueillir des données scientifiques sur la Lune, mais son atterrissage a été marqué par des problèmes. La mission Chandrayaan 2 était composée de trois parties, un orbiteur, un atterrisseur nommé Vikram et un rover appelé Pragyan. Le 20 août 2019, l'orbiteur a brillamment réussi à entrer en orbite lunaire et a rapidement entrepris la collecte de données scientifiques. Toutefois, la tentative d'atterrissage de Vikram ne s'est pas déroulée comme prévu. Le 6 septembre 2019, alors que Vikram tentait un alunissage en douceur, les communications ont été brusquement interrompues alors qu'il se trouvait à une altitude de 500 mètres au-dessus de sa zone d'atterrissage cible. Ce n'est que deux mois plus tard que l'ISRO a publiquement admis l'échec de l'atterrissage de Vikram. Pour conclure, bien que la mission Chandrayaan 2 ait rencontré des difficultés lors de l'atterrissage de Vikram, elle a cependant réussi à recueillir d'importantes données scientifiques grâce à son orbiteur.